La forêt évanouie, une histoire de Nicolas Labarre, illustrée par Amandine Labarre, mise en musique par Marie-Laure Saunier. Sylph avait joué cette nuit-là jusqu'à ce que ses doigts le trahissent. Lorsqu'il s'endormit, serrant sa flûte contre lui, la forêt entière s'endormit dans un soupir de contentement, rassasié de sa musique et de sa joie. Sylph s'éveilla dans les herbes épaisses et souples. C'était toujours l'endroit où il avait dansé avec les arbres en jouant. L'odeur même du lieu était intacte. Rien n'avait changé. Pourtant, autour de lui, la forêt s'était évanouie. Sylph se mit à courir, si légèrement qu'il ne brisait ni un brin d'herbe ni une fleur lorsque ses pieds nus effleuraient le sol, si légèrement que sa course était encore une musique. Il cherchait la forêt. Au pied d'une butte, il trouva un renard et lui demanda s'il savait où était partie la forêt. Le renard était méfiant, craintif, mais Sylph joua pour l'apaiser. Il lui répondit. Comme Sylph, il s'était endormi dans la forêt, et comme lui, il s'était éveillé dans ce lieu familier, mais désormais désert. Ils partirent ensemble. Sur un arbrisseau malingre, se dressant comme un totem dans l'étendue herbeuse, ils découvrirent un étourneau qu'il grelottait malgré la chaleur. Sylph et le renard lui demandèrent où était la forêt. Lorsqu'il cessa enfin de trembler, l'étourneau répondit qu'il l'ignorait. Ils l'invitèrent à se joindre à eux. Tous trois continuèrent leur route. Le renard ouvrait la marche et s'éloignait parfois jusqu'à n'être plus qu'une tache à l'horizon. Mais chaque fois, il revenait, sans avoir trouvé la forêt. Les tourneaux voletaient quand il en avait la force, mais restaient le plus souvent sur l'épaule de Sylph ou dans ses cheveux. Ils progressaient chaque jour, et le paysage changeait autour d'eux. Mais la forêt ne reparaissait pas. C'est le renard qui vit la fleur, un soir qu'il s'était arrêté pour se reposer. Une simple fleur, mais une fleur brisée, ses pétales répandus sur l'herbe couchée.
et les tourneaux pensèrent que quelqu'un était passé par là, les avait précédés. Le renard les détrompa. Sylph lui-même l'avait brisé. Sylph, aux pieds si légers. Le lendemain, le renard s'éloigna de nouveau explorer des collines des environs. Sylph se remit en route, les tourneaux sur l'épaule. Il eut le sentiment qu'un poids l'entravait, que la terre le retenait. Les tourneaux lui pépia de se retourner. Derrière eux, l'herbe était couchée en un large chemin et ses pas étaient autant de creux profonds. Sylph se sentit lourd, malhabile. Ce soir-là, il n'eut pas le cœur de jouer. La nuit fut douce. Il s'était installé dans le coude d'une rivière et Sylph fut heureux qu'elle leur offre sa musique. Le renard et les tourneaux parurent eux aussi soulagés de ne pas avoir à dormir dans le silence. Au matin, Sylph reprit son instrument, mais ne parvint pas à en sortir une note tant ses doigts étaient raides. Il ne parvint pas non plus à se lever. Il comprit qu'il allait demeurer là. Le renard offrit de chasser pour lui, mais Sylph préféra refuser. Les tourneaux offrirent de veiller sur lui. Mais Sylph refusa de nouveau. Il les enjoignit de partir, de continuer sans lui et de retrouver la forêt. Ses mots eux-mêmes étaient désormais lourds et malhabiles, mais ils surent qu'il avait raison. Le renard et les tourneaux partirent, en lui promettant de revenir le chercher. Sylph les regarda disparaître, puis il ferma les yeux. Ils tinrent parole. Ils n'avaient pas trouvé la forêt, mais ils revinrent le chercher. Lorsqu'ils atteignirent le coude de la rivière, parmi les arbres, ils comprirent. La forêt était là. La forêt avait toujours été là. Ils pénétrèrent parmi les arbres et écoutèrent de nouveau leur musique si familière, comme un air de flûte. Thank you.
Si vous entrez dans cette forêt, et si vous gagnez son centre, vous y trouverez un étourneau et un renard endormis. Ils attendent sans impatience de reprendre leur chemin ensemble.